Bienvenue à Showbiz. Salut tout le monde, ici Vanessa Valette et bienvenue à Showbiz. Cette semaine, il se passe pas grand-chose dans le monde culturel. Il y a pas de première d'humoriste, pas de film avec Louis-José Hood dedans, ni de nouvelle télé-réalité. Alors, j'ai pas eu le choix, je suis allée au théâtre. C'est hier que j'ai eu la chance d'aller au théâtre d'aujourd'hui. Et puis, même si c'était hier, c'était quand même le théâtre d'aujourd'hui parce que c'est ça son nom à tous les jours. Et j'y ai vu une pièce avec un titre assez spécial, merci, Marie-Noé et les bougies du désespoir. Et j'ai finalement pu rencontrer le metteur en scène et l'actrice principale de la pièce, dont les noms m'échappent en ce moment, mais on écoute ça quand même. Je suis présentement en compagnie de Albert Campeau, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Pouvez-vous m'expliquer votre choix de ne pas caster Véronique Cloutier dans le rôle principal parce qu'elle aurait été bonne, hein? Au théâtre, on essaie de prime abord de mettre de l'avant des histoires. Puis à ce moment-là, le rôle de l'acteur est plutôt celui de... J'en profite pour vous couper. Connaissez-vous Robert Lepage? Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi, là? Je suis présentement en compagnie de l'actrice qui remplace Véronique Cloutier dans la pièce, Jeannine Brité. Bonsoir. Je remplace pas Véronique Cloutier, là. Effectivement, ce sont de grosses pantoufles à chaussée. D'ailleurs, comment vous êtes-vous préparée pour relever ce défi? J'ai dû d'abord me pencher sur cet aspect primordial de la psyché du personnage principal qui, bien évidemment, vit avec un trouble de personnalité borderline. Connaissez-vous Grease? Grease, la comédie musicale, oui, tout le monde connaît ça. Bien, c'est sûr que tout le monde connaît ça, voyons. D'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas monté cette pièce-là à la place? En fait, c'est sûr que ça serait intéressant de jouer dans Grease, mais là, il est question d'une œuvre à part entière qui n'est pas Grease, en fait. Et je pense que tout peut exister. Excusez-moi, là, je comprends pas la question. Merci d'avoir écouté Showbiz. La semaine prochaine, j'assiste à l'enregistrement d'un quiz et je reçois en entrevue les chevaux de Cavalia. Mais d'ici là, je profite du soleil. Ciao!